Wesh les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait un jour que j'ai pas tourné de vidéo. Fallait que je me ressource, fallait que je récupère un peu d'énergie, de force. J'étais malade. Je vous explique en deux temps, trois mouvements ce qui s'est passé. En fait, j'étais sorti, le temps que tout se charge. J'étais sorti avec la famille et tout. On a mangé au resto. Le lendemain, je me suis dit, vas-y, pour midi, je vais manger deux, trois parts de pizza. C'est quoi? Je me suis endormi. Et par la suite, à mon réveil, aux alentours de 17 h, c'est un truc de fou. Je commence à avoir un mal de crâne, des nausées. J'ai la tête engourdie, lourde. Bah, je vous dis même pas, je suis resté pendant 15 heures au lit. Prends une douche, je dis ok, je me sens bien. Et là, je commence à aller aux toilettes. Dinguerie. Dinguerie sur dinguerie. Et du coup, je prends mes médocs et tout. Je continue à avoir mal à la tête pendant, allez, 5-6 heures. Et là, je commence à vomir tous mes intestins. Tout ce que j'ai mangé la veille et le jour d'avant, ben, tout est sorti. Et là, je m'en rendors et je vomis encore. J'avais rien mangé pendant 2 jours. Ce qui ressortait de ma bouche, c'était de l'eau. C'était incroyable. Sur ce, on commence la vidéo. Comme vous le savez, ils ont annoncé pour fêter le soutien des joueurs. Ils nous donnent simplement ce petit truc. On a 1000, ok, 1000 Hero Coins à récupérer en une semaine, et 3 tickets premium et 2 tickets premium sur les cartes. C'est ok, tiers, c'est cool. Ok, on récupère tout ça, on va filmer la stamina après. On récupère ça aussi, 1300. Et voilà. Ça, c'est le premier bon point. Pas pu jouer sur les 2 jours, comme je l'ai dit, j'étais malade. Maintenant qu'on ressource, on va faire un topo. On va faire un petit topo, un petit résumé de tout ce qu'on a eu. Et je vois qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont été déçus par cette mise à jour. Je vois ça dans les commentaires. Oh, ok, cool, ça crache, c'est pas grave. Là, on va juste parler tranquille, à l'aise. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué cette mise à jour dans le sens où le nouvel event qui possède un pass n'est pas du tout rentable pour les free-to-play. N'oubliez pas qu'on reste dans un gacha, bien sûr, et que les gachas sont principalement payants. Ils sont très axés pay-to-win. C'est vrai que là, on sort du cadre pay-to-win. Là, c'est plutôt pay-to-fast et pay-to-whale. Pour être vraiment parmi les premiers dans le classement, faut sortir des très très grosses sommes, des 500 à 1000 euros par portail, ce qui fait quasiment entre 1000 à 2000 euros par mois sur le jeu. Je suis d'accord avec vous, avec tous les passes, avec tous les portails qui nous sortent, portails de cartes, portails de perso, c'est impossible à suivre en tant que free-to-play, mais on n'a pas le choix, on attend toujours de nouveautés. Donc vous le voyez, la plupart des gens qui sont sur ce jeu, les Français, les youtubeurs français, ont arrêté et se sont remis à Dokkan Battle, se sont remis à DB Legends. On commençait même à jouer à des jeux PC et tout. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment, comme vous le savez. La plupart des jeux qui vont sortir en fin d'année. Tensura, Shaman King, Yu-Gi-Oh! Etc. etc. On récupère ça et on démarre le petit event. Découverte de... Là, on démarre. On rentre dans le vif du sujet et on démarre le nouveau mode de jeu. On va juste faire la multi gratuite. Sinon, j'espère que vous allez bien, hein? D'accord. J'ai 2 tickets ici. J'ai quoi là? 0. On va essayer de taper un petit doublon ici pour monter double S dans les prochains jours. On va faire ça par la même occasion. Ok. Très bien qu'il soit plus rapide. Je me souviens même pas, j'ai oublié dans quel
Ils étaient, je crois, lui. Non, du coup, lui. Allez. Ok. Ça va après. Et on va faire le petit mode. Non, c'est pas ça. Le mock trial, je crois qu'il s'appelle. Je ne sais même plus comment où il se trouve. Sector, story, chip, le mock trial. Ah non, mais je suis débile. Je suis débile. Mock trial, il est là. Skill study, on va faire un normal mode ou non. Endless mode. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Allez, go. Mmh. 150. Ouais, on va garder, on va acheter quelque chose de plus rentable plus tard. Pour nous booster à fond. Il pourrait booster nos stats à fond. Moi, au choix de ma vidéo, je commence à recevoir plein de messages, plein de notifications sur mon tel. On va mettre ça en off et on va partir ici. Allez, go! Ça rame ça là. On va mettre un peu de son, c'est cool. Je vais raconter ma vie en début de vidéo. Et ça, on enchaîne. Ça, c'était rapide. Ouais, ok. On termine sur ça pour le dernier niveau du normal mode. Du niveau de la difficulté normale. On enchaîne. Sur le premier niveau de l'endless mode. Ah, faut le faire avec les deux. Ok. Ah oui. Je pense pas qu'on va tout faire ici, on va le faire en plusieurs séries. Je pense qu'on va faire ça en quelques épisodes sur la chaîne. Ok. Encore un ou deux niveaux. Alors quand elle se joue elle déjà? J'avoue que je ne sais pas du tout la jouer. Ah ouais, il me faut de la graisse, c'est vrai. Ah, il me faut les auto-attaques pour ça. Ouais, elle est marrante. Elle est marrante. Après, il me faut largement plus de maîtrise, hein. Les persos. Je me demande quels sont les prochains persos qu'ils vont mettre dans ce mode. Vu que, si je dis pas de bêtises, tous les mois ou tous les 2 mois, ils remettent à zéro les personnages.
Ok. Enfin, ça sera tout pour cette vidéo. Comme je vous dis, on va faire ça sur plusieurs vidéos. Bonne petite série tout au long de la semaine. Je peux que dans la même journée, je vous sorte plusieurs vidéos dans le mock trial. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont tryhard. Comme ça, vous allez me dire en commentaire que ce qu'il faut monter, ce qu'il faut prendre, que je fasse pas trop d'erreurs. Vu que moi, je suis pas là vraiment pour le tryhard, comme vous le savez. J'aurais dû prendre ça en vrai. Ouais, j'aurais dû prendre. Ouais, tranquille. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis ciao, à la prochaine, prenez bien soin de vous et peace.